Bonjour à tous. J'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire, ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture. Un livre. Examiner. Voulez-vous lire le journal des neiges? Première page. Ici sont consignés les rapports de recherche sur l'épreuve du héros, qui repose dans les montagnes Gerudo. Page suivante. Premier jour de recherche. Je suis venu dans ces montagnes pour enquêter sur l'épreuve du héros, dont il est question dans des écrits anciens. Voici ce qui y est écrit. L'épreuve du héros repose dans le piédestal des montagnes enneigées Gerudo. Je suis enfin arrivé au piédestal que mentionne ce texte. Page suivante. Septième jour de recherche. Voilà 7 jours que j'ai découvert le piédestal des montagnes enneigées. Mes vives sont presque épuisées. Venir enquêter sur place m'a permis de remarquer que les écrits contenaient une clé pour résoudre le mystère. Quand brille le piédestal des montagnes enneigées, allume un amas de ténèbres en son centre. Au cours de ces 7 jours, j'ai pu me rendre compte que le piédestal était une faible lueur, une faible lueur à certaines heures précises. En revanche, j'ignore quelle peut être la signification de « allume un amas de ténèbres ». Page suivante. Je ne sais plus depuis combien de jours je poursuis ces recherches. Je sens que je suis tout proche de percer le secret que renferme le piédestal. Mes vives sont épuisées. Je ne peux plus poursuivre mes recherches. Les ténèbres, c'est l'ombre. Arrêtez de lire. Le journal des neiges. Très bien. On va rechanger d'arme. Non, c'était l'autre, j'avais raison. J'ai des souvenirs. Viande congelée. Il va avoir un truc qui va me tirer dessus, je crois. Non? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. En fait, le piédestal est ici. On va la mettre bien au milieu pour pas qu'elle tombe. On va monter la boule en espérant qu'elle... Ah mince! En espérant qu'elle reste dessus. J'allais dire. Ou alors je vais... Non, on peut pas. Faut que je monte vite. Je crois que c'était un truc comme ça dans mes souvenirs. Doucement, s'il te plaît. Hop, oui, je l'ai. Donc, comme c'est l'ombre, il faut se mettre en face. Et notre ombre de la boule va se mettre pile poil dessus quand le soleil va se lever et que le piédestal va s'allumer. Dans mes souvenirs, c'est ça. Plus qu'à attendre.
C'est un petit peu long, mais bon, on n'a pas le choix. Ça dépend à l'heure qu'on arrive ici, en fait. Là, il est 4 h du matin. La colère d'Urbosa est à ta disposition. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Après, si je le passe jusqu'à midi, est-ce que... On n'entend pas. Ouais, c'est le risque, c'est que la boule la tombe. Et si on passe jusqu'à midi, peut-être que l'heure va être passée, c'est peut-être le matin. Je me souviens plus exactement, donc je préfère attendre. Parce que le soleil se lève là, déjà. Il est que 5 h du matin. Et après, je vais aller faire un tour tout là-haut parce que ça me semble suspect. Il y aurait bien un Korogu là-haut. Ça devrait pas tarder là. Huit heures vingt. Ouais, c'est sûr, je suis sûr que c'est ça. Dans mes souvenirs, c'est l'ombre.
l'ombre de la boule qui va au centre. Alors, c'est pas maintenant qu'il faut douter, alors qu'on a attendu. Après, si c'est pas ça, je n'en ai aucune idée. Je me souviens plus du tout. Non, c'est ça, sûr. Il a parlé d'ombre, le centre. On n'a pas encore le soleil complètement sur nous. Il faut être encore un peu patient. Bon, j'avoue que moi et la patience, ça fait deux. Mais bon. On pense déjà avoir nos trombes ici. Elle bouge et monte sur la falaise. J'espère que je suis pas trop haute. Sinon, il faudrait que je recule. Allez. C'est non. On voit les guéridons là-bas. C'est les bêtes de sable aussi qu'il faut faire, les quatre. Ok.
quelque chose là-bas. Des arbres, je crois. Ou du feuillage. Parce que même si on bouge, faut pas que je tombe. Alors, avant, on aurait pu faire passer le temps jusqu'à midi, 14h20. Utiliser ma prière à tout moment. Bon, c'est bien, pour l'instant on récupère tout du coup. Allez. 15h. Ça va, le temps passe assez vite quoi. Dans le jeu. Et vous allez voir, vous avez vu, ça fait exactement la barre plus le rond, donc ouais, c'est bien ça. J'en suis sûre maintenant. Ça va s'aligner correctement, normalement. Il s'allume. Assez rapide, il ne faut pas qu'il s'éteigne. Là, normalement, on n'est pas loin. Ah, on voit l'ombre de la boule. Voilà, pile au centre. Oui. Le journal des neiges terminé. Donc il se trouve. Il se trouve où? Ah là, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir là-haut. Bien de Suma Suma. Donc, on est ici. Ah bah l'étoile, oui, je l'ai enlevée au fait. Autant pour moi, j'ai mis un vaisseau lumineux à la place. Oh, c'est une bénédiction. Suma Suma t'accueille dans ce sanctuaire au nom de la déesse Ilia. Tu as surmonté l'épreuve. Bénédiction de Suma Suma. Ça va. Cimetière du clair de lune. Oh, c'est trop ça.
Alors celui-là il va casser, donc on le prend. On regarde, on a le coffre, parfait. De toute façon, il n'y a qu'un coffre dans les bénédictions, mais bon. En parvenant jusqu'à ce sanctuaire, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Emblème du triomphe. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Nous sommes à 80 sanctuaires, 153 noix de Korogu. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour me suivre. À bientôt.